dossier Haïti a encore une fois qui a fait la une au niveau international après pays Canada qui était désisté et Nations Unies, du moins les États-Unis d'Amérique qui ont essayé de proposer pour CARICOM te prendre tête une mission pour te al porter la paix dans le pays d'Haïti selon ça yo dit CARICOM lui-même tout qui était désisté kounya t'assemblée c'est Brésil yo reproposé pour ta prendre tête une mission pour ta aller dans le pays d'Haïti pour ta établir la paix. Nous connaît pays d'Haïti depuis quelque temps a passé un moment difficile, vraiment difficile en bas gang armé. Et bien pour nous capable commenter et de comprendre et point si là actualité si là nous gain avec nous ancien député Abel Décolline de la 50e législature, un député qui était fait un passage remarquable dans une député qui était fait un passage remarquable dans 50e législature. Là c'est un plaisir pour nous gagner première émission point rouge sous plateforme République. Député Abel Décolline, c'est un plaisir et j'en connais déjà pour nous capable dialoguer ensemble. Bienvenue dans l'émission Point Rouge. Comment nous y est? Bonsoir, Josué Alexidor. M'a salué tout staff plateforme République, surtout Chossa et Point Rouge. En tout cas, c'est un plaisir pour moi-même tout pour me retrouver au Josué Alexidor, retrouver sous d'autres cieux, puisque où t'es un commentateur qui t'est passé de présentation à travers des médias en Haïti, Signal FM, Matin Débat, et vous étiez l'homme de l'équilibre, en tout cas, mais tout du franc-parler, moins quoi que à travers émission Point Rouge et plateforme ça, et on va continuer œuvrer, aider justement à la compréhension de problématiques yo à tous les niveaux. Mais tout contribuer, t'ai fait modestement à un certain moment lorsque tu as vu à l'extérieur, pour contribuer à émergence, à valoriser compétences, surtout importance diaspora pour le pays d'Haïti. Donc voilà, c'est avec honneur et privilège m'a pu répondre avec quelques questions après-midi à travers Chossa Point Rouge. Et voilà, merci à pile député Abel Décolline. Antoine, j'ai noté annoncé le dossier haïtien là, Noël Tounet, yon en patate chaud dans les Nations Unies, particulièrement, on dit particulièrement les États-Unis d'Amérique qui participent proposer et des pays, des organisations pour capable rentrer et à porter coup de main à pays là. Et comment on comprend et dernière décision ça, bon, ils mettaient route, ils mettaient tête là vers le Brésil pour t'a proposer ancien alors président Lula pour t'a prendre tête en mission pour t'a venir là et dans le pays d'Haïti. Comment on comprend ça et comment ou même ou qui point de vue sur ça? Alors d'entre autres, je permets que nous compréhension moins Josué Alexidor, puisque dans préambule questionnant ou dit que le dossier haïtien lit représenté en sorte de patate chaude dans main les États-Unis d'Amérique. En tout cas, moi-même, selon ma compréhension, m'a pu modérer l'engagement, moins pas quoi que c'est une patate chaude dans main pays les États-Unis. Et je vais m'expliquer. Haïti, heureusement ou malheureusement, il fait partie de ça, il est précaré des États-Unis d'Amérique. Moi-même, ensemble avec vous, à travers ça nous étudier, mais ça nous gagnait comme connaissance en termes de relations internationales depuis la fameuse doctrine de Monroe qui dit l'Amérique aux Américains. Et évidemment, dans le contexte que Monroe t'es prononcé contexte t'es prononcé c'est pour t'es à l'époque justement suspendre ou diminuer velléité des empires européens à l'époque qui t'es gagné une velléité à la fois d'expansion mais tout ont velléité d'ingérence, de domination. Mais cette doctrine de Monroe, américaine eux-mêmes, vient utiliser
pour propre expansion payo, pour propre influence payo à travers tout hémisphère, à travers tout continent américain. Voilà. Je disais que Haïti fait partie de précaré les États-Unis d'Amérique. Et en termes de géopolitique, américain yo, yo pas à ta jambe souhaité que c'est un État qui tient, par contre, soit la Chine, soit l'Inde, soit la Russie, que Allô? Sais-je, ou yon puissance européenne qui t'a vine gagner contrôle dossier Haïti. C'est dans la logique des réalités géopolitiques. Haïti, étant donné que c'est un précaré des États-Unis, pour que les États-Unis lui-même activé pour que par rapport à problèmes qui gagnent dans le pays d'Haïti, pour les joindre un pays, en tout cas, qui capable gagner de bons rapports ensemble avec lui, pour ta conduite en mission de paix en Haïti, étant entendu que les États-Unis lui-même pas voulu engager propre l'armée balle pour prendre tête mission internationale ça voilà ou mission de paix ça. Donc voilà. Maintenant et ou rappeler depuis un certain temps les États-Unis étaient remettre dossier ça bah, et le Canada à un certain moment il était souhaité que le Canada lui-même joue un rôle ça pour dans tête mission maintien de paix ça ben le Canada lui-même tergiversé pendant un bon bout de temps et finalement il semblerait que des questions de politique intérieure fait Canada lui-même l'y renoncer. Et depuis, les États-Unis d'Amérique, notamment à travers dernière rencontre président Biden t'est fait au Canada suite à visite d'État lié à un pays Canada, donc il était convenu que yo pral continuer faire un pèlerinage diplomatique pour convaincre yon l'autre pays. C'est ça sans sa question, non? Mm-hmm. Le récent voyage de l'ambassadrice représentante des États-Unis au niveau Conseil Sécurité, qui était en déplacement à Brasilia, qui a rencontré les autorités brésiliennes et entre autres mission, d'après ça qui filté dans les couloirs diplomatiques, donc les États-Unis, la pointe comment le Brésil capable prend tête mission ça. Donc voilà, s'il se confirmerait que Brésil la prend tête mission ça après un vote de Conseil de sécurité ou en dehors de un vote de Conseil de sécurité, hein, puisque la réalité, Josué, moi-même, moi toujours dit, dans le cas d'Haïti, avec ou sans une résolution du Conseil de sécurité, capable de gagner assistance ça, pour aider à rétablir la sécurité dans la mesure où la charte de l'OEA, puisque Haïti fait partie de l'OEA, il est dans l'hémisphère américain, hein, dans la charte OEA, tout y prévoit, lorsque gagne un État membre qui n'en situation et c'est le cas d'Haïti, gagnait la possibilité pour que, justement, yo poter en assistance. Okay. S'agissant du Brésil, pour me finir net, étant donné que Brésil était déjà à tête en mission de paix en Haïti, dernière d'ailleurs, dernière, nous rappelons, c'était Brésil. Maintenant, avec le retour du président Lula, c'est fort possible, attendons voir, c'est fort possible que président Lula, toutes les fois, il ça pas déranger Brésil. Président Lula, il retournait et il voulait replacer le Brésil sur l'échiquier international, puisque pendant la présidence de l'ancien président Bolsonaro, bref, Brésil était un peu absent sur la scène internationale. C'est peut-être une opportunité pour que Lula lui replace le Brésil sur l'échiquier international. Voilà. Jean-Noël, il commence à faire à travers les BRICS. Voilà. Et c'est bien élaboré, député Abel Décolline.